On va envoyer nos petites abeilles. Regardez-moi ça. Regardez. On l'a déjà one shot. Je crois qu'on l'a one shot. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on l'a one shot. What's up mes petits blogs, j'espère que vous allez bien, tout comme ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Pixel Gun les gens, avec Warning, notre petit cochon, voilà, la petite mascotte de la chaîne. On se retrouve sur Pixel Gun pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous l'avez entendu depuis longtemps parce que je vais vous parler un peu du buzz qui s'est passé sur ma chaîne il y a une semaine. C'est un truc de taré, non, il y a plutôt deux semaines. C'est un truc de dingue les gens. Donc on va parler directement de ça. Je vais résumer un peu cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire. Dans cette vidéo, j'ai acheté une arme que en fait j'ai testée dans une autre vidéo. Sauf que le problème c'est que la vidéo n'était pas assez dynamique pour moi, donc je me suis décidé qu'on allait la refaire. Voilà un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va tester une arme qui est vraiment sur cheat, en plus j'ai eu le temps de l'améliorer. Donc c'était vraiment monstrueux. Avant ça on va un peu résumer qu'est-ce qu'on a fait, enfin qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne il y a deux semaines. Bref, j'ai tourné la première vidéo de Pixel Gun, ma première game. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a plutôt bien marché, parce qu'elle est à 800, à peu près 800 vues en ce moment, enfin 800, tu vois, 800, y a pas, ça existe pas, 800 vues en ce moment, donc c'est un truc de taré, donc bah vraiment, merci à vous, on a dépassé les 400 abonnés en plus, c'est un truc de dingue, on a passé les 400 abonnés, t'es sérieux? Wow. Bref, c'est bon, on a rien cassé, là, ça va les petites sonnettes là, bref, je disais que c'est vraiment sympathique de votre part d'avoir dépassé déjà les 400 abonnés, c'est un truc de taré. Il n'y aura pas de vidéo opening et tout. Pour les 500 abonnés par contre je prévois un petit truc, parce que tu vois c'est quand même un chiffre pas mal imposant. Donc je vous prépare une petite surprise. Voilà, bon elle sera pas énorme, ce sera déjà un petit cadeau. Bref, dans cette vidéo on va déjà ouvrir un petit coffre de la chance. Warning, tu vas là, warning, warning. Coffre de la chance, let's go. Allez, on prie, on prie, on prie, on prie. Tiens. Oh, dégueu. C'est pas dégueulasse des petites pièces, bon par contre j'ai plus de pièces, j'avais 700 pièces donc j'ai tout claqué. Parce que regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté des décorations, regardez-moi ça. Décoration là, des petits crânes qui m'ont coûté 200 pièces je crois. Et un petit décoration du sol, ouais, qui était que j'aimais bien. Donc là on commence un peu à pimper la base. Je continue à rajouter des trucs, peut-être une nouvelle barrière parce que là la barrière est un peu bof. Tiens, on va faire ça peut-être maintenant, regardez. Où on va? C'est où le portail? Ah non, c'est barrière. Je l'aime bien, ça augmente l'efficacité de l'objet porté. Allez, on va mettre celle-là. Allez, c'est parti. On a acheté, let's go. Par contre, on va baisser un poil le son parce que là, rip mes oreilles. Bref, nous avons aussi un petit animal. Voilà, bon, un œuf commun. C'est pas tip top, mais c'est toujours ça. Voilà, le petit pigeon. Et là, les gens, et là, je vais vous montrer l'arme que j'ai achetée. Attention, là, voilà, c'est l'arme nano robot. Donc, voilà, une petite arme, franchement, hyper forte. Je crois qu'elle m'a coûté 350. J'ai amélioré, donc j'ai claqué, je crois, 200 pièces pour l'améliorer. Donc elle est améliorée à fond, elle fait du 25 de dégâts. C'est un truc de taré. Vous allez voir, elle fait du saignement. Elle envoie des petites abeilles qui vont directement comme ça, clac, 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 sur les corps des ennemis. Ça va être un truc de taré, tu entends ça? Ça va être un truc de taré. Donc on va être parti directement en duel. Allez, on part en étant nocturne. En duel, cette partie, les gens, let's go. C'est parti les gens, let's go. Alors, il est déjà parti le mec. Donc il a un dinosaure, il a un dinosaure, regardez-moi ça. On va envoyer nos petites abeilles, regardez-moi ça. Regardez, on l'a déjà one shot. Je crois qu'on l'a one shot, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on l'a one shot. Ok, on va essayer de faire des conneries par contre. Regardez-moi ça, on envoie nos petites abeilles. Et après il y a juste... Regardez-moi ça. On l'a one shot. Par contre là on vient de se faire des glingues. Cette arme, c'est n'importe quoi les dégâts qu'elle fait. Par contre là il s'est encore envolé, tu vas voir qu'il va être là-haut. Il va être là-haut, c'est sûr. Je le sens, il est là-haut, regardez-moi ça. Oui, regardez, il est là-haut. Casse-toi, j'ai pas envie de crever. Oh, j'ai pas eu le temps de claquer le diable, c'est dommage. Bon, par contre là on va essayer de gérer un peu plus. Regardez-moi ça, il est là. Il est là. Regardez-moi ça, le diable, il va pas faire long feu. Le diable, il va pas faire long feu. Regardez-moi ça, reviens là. Allez, allez, just do it. En plus là on est contre des gens pas mal. Oh, regardez-moi ça. On l'a complètement déglingué, c'est n'importe quoi cette arme franchement là. Pouah. Il y a vraiment des armes sur Pixel Gun. Elles sont vraiment insane. Regardez-moi ça. Attendez, on va se cacher. On va lui envoyer directement. Regardez-moi ça. Allez, casse-toi. Regardez-moi ça encore une fois. C'est n'importe quoi. Oh, je suis mort. Par contre, il m'a déglingué. On va se calmer. On va se calmer. Regardez-moi ça. Casse-toi. Allez, on va lui envoyer des roquettes. Piou, piou, piou. Et avec ça. Piou, piou, piou. Ah, lui par contre il y a aussi des abeilles. Attendez, on va tenter un long shot. Long shot. Oh, pas du tout. Ça a pas marché. Faut tester de toute façon. Oh, regardez-moi ça, on l'a encore eu.
Oh, le truc de taré, cette arme. Les gens, j'étais vraiment pas prêt. En fait, elle fait beaucoup, 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 beaucoup. On va se barrer, par contre. On va essayer de la jouer safe. Ouais, non, attendez. On va jouer le jeu. On va jouer le jeu, voilà. On va se le faire en mode démon. Allez, viens là, toi. Normalement, on t'a eu. Voilà, pas besoin de chercher plus loin. On t'a eu. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est une victoire pour le Easy Way en duel. Je vais essayer de la tester dans plusieurs modes de jeu pour vous montrer que c'est vraiment l'une des meilleures armes de ce jeu. Je pense pas l'une des meilleures, mais l'une des plus accessibles et ouais, celle de... Ouais, la meilleure, on va pas chercher plus loin, c'est la meilleure. Avant qu'on reparte directement en game, je vais vous présenter juste le clan. Là, je peux pas cliquer sur le clan parce que je sais pas pourquoi la dernière fois ça crachait. Donc là, on va pas faire le clan, juste acceptez-moi un ami. Voilà, demandez-moi un ami, c'est Easy Way. Et je vous accepterai directement dans le clan, donc je vous inviterai parce que le problème c'est que c'est Twixor le chef de la team. Donc il va falloir qu'il vous accepte, il n'y a pas de problème, comme ça on pourra faire des vidéos ensemble, des petites parties et tout, tu vois, ça pourrait être plutôt sympathique. N'hésitez pas aussi à me suivre sur le Twitter, comme ça si j'ai envie de prévoir des games pour une vidéo et tout, j'ai juste à tweeter, comme ça vous êtes directement au courant. Et voilà, donc n'hésitez pas à m'accepter. Alors pour le prochain match, j'aimerais bien partir en... attaque d'équipe, on attaque d'équipe sur la map, allez, établissement, car la bataille d'équipe, c'est pas pareil que le duel, c'est un peu plus tactique, tu vois. Donc là, on va essayer de vous montrer, enfin, je vais essayer de vous montrer que cette arme, vraiment, c'est la meilleure, et après, on partira en combat en équipe. Allez, c'est reparti, les gens, let's go. Alors, regardez-moi ça, normalement, il devrait avoir un mec en face, il va pas faire long feu. Regardez, attention, allez, au revoir, maintenant, regardez-moi, oh, c'est abusé. C'est reparti pour le deuxième tour, let's go, on va m'envoyer un petit emoji en mode colère, tu vois, pour leur mettre pas du tout la confiance. Allez, let's go, on y va, direct. Regardez-moi ça, il arrive, il est là, hop là, crève, voilà, c'est nickel. Il arrive tout le temps à me tuer avec sa ligne, attention, c'est abusé. Oh là là, c'est dommage, c'est pas du tout un beau gameplay, on va essayer de l'éviter par contre lui, parce que sinon c'est pas drôle si on meurt à chaque fois. Encore avec les juges, et voilà, on a encore gagné, c'est nickel. Par contre, les juges, c'est vraiment l'arme la plus cancer, mais la plus efficace dans ce mode de jeu. Si vous voulez monter en trophée, faites de ce mode de jeu avec les juges. C'est l'une des meilleures armes pour farmer. On va faire gaffe à lui, par contre. On va continuer à tirer des petites abeilles. Voilà, des petites abeilles qui vont faire le taf, j'espère. Voilà, nickel, on l'a eu. Là-bas, il y a quelqu'un. Allez, let's go. On va utiliser le sniper. Voilà, nickel. Il était magnifique ce qu'il est, voilà, on a réussi à gagner. Waouh, c'est nickel. Là, ça enchaîne, c'est nickel. Allez, on continue, dernier, il ne manque plus qu'un point. Et normalement, on a gagné, ce serait bien de leur mettre un 4-0. Je dirais pas non, moi. Allez, on balance les petites abeilles, let's go. La petite abeille qui s'en prit le taf. Voilà, elle est morte, c'est nickel. Et normalement, on devrait gagner ce round. On va regarder, ah, attendez. Il est quand même seul contre deux personnes. C'est pas impossible. On va essayer de voir. Attention, c'est juste contre le juge. Et voilà, c'est terminé. On a réussi à gagner 27 trophées pour la famille. On va partir directement pour la dernière partie de la vidéo. En combat en équipe. Allez, on va partir en combat en équipe sur la map. Une map plutôt sympathique que j'ai jamais eu trop le temps de faire. Je sais pas, il n'y a pas tellement de map que j'aime bien. Île du ciel, allez, on va partir sur l'île du ciel. Je la fais pas souvent, c'est une map qui est plutôt sympathique à jouer parce qu'elle est belle et elle est pas si grande que ça. Let's go, c'est reparti. Alors, ouais, cette map, je l'ai presque jamais jouée, donc on va essayer de gérer ça. Là, il y a une cabane, ok, on va essayer de trouver déjà les personnes, ce serait plutôt sympathique. Là, regardez-moi ça, il y a quelqu'un là-bas, un petit dinosaure, allez, on va focus le petit dinosaure, regardez, normalement il va crever. Est-ce qu'on va tuer le dinosaure? Ok, c'est bon, on a tué le dinosaure. Est-ce qu'il y a du monde? Je cherche du monde, je crois que je viens d'apercevoir les juges en face. Là, c'est bon, il y a quelqu'un qui vient de mourir. C'est quoi ça? J'ai cru voir un truc chelou. Regardez-moi ça, ils sont tous là. Voilà, nickel. On va directement balancer nos petites roquettes. Tac, tac, tac. Où est-il? J'ai perdu la personne. Allez, derrière moi, regardez-moi ça. On va la voir normalement. Allez, voilà, nickel. C'est n'importe quoi cette arme. Franchement, achetez-la si vous avez les sous. C'est 350 pièces. C'est pas énorme. C'est pas impossible à farmer. Je viens de prendre des dégâts, je sais même pas d'où ça vient. C'est pas tellement impossible à... Oh. Ah, ok, il snipe. Il est là, je viens de le voir. Mince, je suis mort, c'est débile ça. Il était juste en haut, regardez-moi ça. Je crois qu'il est juste là-haut. Je suis pas sûr, attendez, on va tirer les roquettes. Est-ce que tu es là-haut? Ouais, regardez-moi ça, les roquettes se dirigent sur lui. Et on a réussi à l'avoir. On a réussi à l'avoir, ça c'est nickel, franchement. Magnifique. Magnifique petit kill. Allez, on va chercher celui là-bas là. On voit juste en son petit pseudo en rouge. Hop là. Let's go. Et voilà, nickel normalement. Voilà, nickel. Toi, tu crèves avec. Oh mince, j'ai pas eu le temps de claquer les shurikens. Dommage. Dommage parce que les shurikens aussi font pas mal de dégâts.
Je les ai changés par rapport à mon dragon. Je crois qu'avant j'avais le dragon, maintenant j'ai mis les shurikens. Faut que je varie un peu parce que de toute façon elles font les mêmes dégâts. Allez, let's go. Nickel. Ils ont tous les abeilles. Ils ont tous les abeilles par contre. Ça c'est un peu moins top. Voilà, le petit kill au sniper qui fait plaisir. On rebalance les petites abeilles. Mince, il est pas mort. C'est pas très grave. On a les shurikens. On va essayer de faire au moins un kill avec les shurikens. Bon, une minute. On est en train de creuser l'écart en vrai. Là, on est en train de creuser l'écart à mort. Ah oui, il faut que je revienne aussi à une question d'un abonné. Voilà, qui m'a demandé si je pouvais faire un tuto comment sniper. Je suis pas un boss du snipe. Je suis pas un boss du snipe, loin de là. Mais ça me dérangerait pas de faire une petite vidéo comment sniper. Parce que franchement, c'est un truc, voilà. C'est pour changer un peu des vidéos Pixel Gun où je fais des parties et tout. Et pourquoi pas, en plus il y a une map spéciale sniper. Donc ouais, ça me dérange pas. J'essaie de travailler sur ça parce qu'il faut quand même que j'essaie de faire une vidéo assez structurée. Parce que sinon, ça a aucune utilité. Mais ouais, ça me dérange pas en fait de faire une vidéo où je vous montre comment sniper. Mince, je vais encore mourir par les juges. Et franchement, les juges, c'est infernal. Tu les vois dans toutes les games à un moment. Ça commence un peu à t'énerver. Ouais, bah, normalement, on va gagner. Y a pas de problème. Pas besoin de se mettre la pression. Regardez-moi ça. On va rester un dernier petit kill normalement avec les abeilles. Est-ce que ça a marché? Non, ça a pas marché malheureusement. Allez, on va se faire lui au sniper. Vite, vite. Hop là, nickel, le dernier petit kill. C'est parfait. Avant de se quitter les gens, on va se faire un petit pack opening. Parce qu'en ce moment, il y a les coffres à clés qu'on gagne à chaque fois. En fait, dès que vous terminez une partie, vous gagnez des clés. Et je peux m'en faire deux, donc c'est nickel. On va se le faire directement. On peut avoir du bon, on peut avoir du bon. C'est pas très souvent, mais on peut avoir du très bon. Alors voilà, c'est une gemme, c'est pas top. C'est pas tip top, oula, pardon, excusez-moi. C'est pas tip top, on peut avoir 50 gemmes. Ça c'est un truc de taré, ça m'est arrivé qu'une fois. Qu'est-ce que nous avons? Ça c'est, je crois que c'est 5. Non, 3 pièces, tu vois, on peut avoir ça et tout. Et on peut avoir des trucs vraiment pas si mal que ça. Bref, ah non, regardez. On va pouvoir se faire un petit pet. C'est un pet rouge, bon, il y a pas grand chose dedans. Voilà, un petit manchot, pas très grave. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Voilà, j'ai pas dit un nombre de likes. Mais allez, explosez-moi, c'est... cette barrière de like, je sais beaucoup vous pouvez le faire. Voilà, je suis en train de m'emmêler dans mes pinceaux. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête la vidéo maintenant. C'était EasyY et Warning. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.